Oui, bonjour à mes fans de YouTube, c'est Ali Makaï de Marseille. Bon, je suis un peu étonné parce que en allant chercher mon courrier ce matin, je suis tombé sur un courrier et franchement, ça m'inquiète un peu d'un côté. Voilà, j'ai reçu cette lettre d'une personne. Apparemment, qu'elle me dit qu'elle admire mes vidéos. Et je sais même pas comment elle a eu mon adresse. Donc, je sais pas si c'est un coup de la personne avec qui j'étais à Aix-en-Provence, mais ça m'étonnerait puisque, je sais pas. Donc là, ce qu'elle me dit, je suis fan de tes vidéos. Je suis fan. Ah, y a pas de. Ma foi, j'ai rien compris. Elle a mis mon adresse devant, je sais pas comment elle a eu. Elle m'a dit, je suis fan de tes vidéos. T'es comment elle écrit? Que je t'admire énormément et je t'ai envoyé un colis de l'Allemagne. Oh, j'ai des fans jusqu'en Allemagne. Donc, je sais pas. Donc c'est un peu bizarre. Je l'ai reçu ce matin avec le courrier, avec le reste du courrier. Et franchement, je sais pas de qui ça peut venir. Voilà, donc je vais essayer de l'ouvrir avec vous. Et franchement, je suis étonné. Ça me fait peur d'un côté parce que je donne jamais mon adresse comme ça. Donc moi, je pense que peut-être c'est Amel, je voudrais savoir si c'est toi, si tu as gardé toujours mon numéro. Envoie-moi un message pour voir si c'est toi qui m'as envoyé ce courrier. Franchement, je sais pas. Je perds mes mots, je peux pas vous dire, donc je vais essayer de l'ouvrir avec vous. Ça, je sais pas, je suis choqué, franchement. Une personne me dit qu'elle m'admire de l'Allemagne. Et moi, franchement, je connais personne en Allemagne. À part certaines de mes collègues qui sont à la gendarmerie à la frontière. Mais bon, ça reste à voir. Donc, franchement, je sais pas. Attendez, je sais pas si je peux tenir le téléphone. Comment je pourrais le tenir, le téléphone? Attendez juste 2 petites minutes. Je sais pas, franchement, je vais le mettre entre mes cuisses. Ah ouais, j'ai pas le choix. Je vais ouvrir le courrier. Ah, est tombé le portable. Ah ouais, c'est pas évident. Attendez. Attendez. Juste 2 minutes, je vais essayer d'ouvrir le. Je sais pas si. Ah. Je ne sais pas si je vois qu'il y a des papiers. Attendez. Bon, je vais m'asseoir parce que c'est. Ouais, c'est ça. Elle me dit, je suis une fan de tes vidéos que j'admire énormément. Je t'ai envoyé un colis de l'Allemagne. Bon, Alim, ça s'écrit pas avec un E à la fin. Mon prénom, ça s'écrit Halim, mais il n'y a pas de E à la fin. Donc, c'est quoi ça? Franchement, ça me fait drôle parce que. Amel, je voudrais savoir si c'est toi qui m'as envoyé un colis. Si tu as gardé mon numéro, je m'adresse à Amel de Aix-en-Provence. Donc, je voudrais savoir si c'est toi qui m'as envoyé ce colis ou tu me fais une blague. Si c'est pas toi, envoie-moi un message si tu regardes mes vidéos. Hein, je sais pas. C'est même pas signé. Y a rien de signé. Y a juste mon prénom. Y a rien de signé. Ah, si j'arrive pas à ouvrir le. C'est pas évident avec une main. Allez.
Franchement, je suis. Ah ouais, ça me fait drôle, hein. Quelqu'un qui m'envoie, qui me dit que je suis un fan de tes vidéos, c'est. Oh putain, c'est vrai. Regardez. Ça, c'est pour rechercher un colis à la poste. Ouais. Ah ouais, il y a mon nom de famille. Il y a mon nom de famille, il y a mon prénom. Oh putain. Ouais, bah écoutez, ça je vais le chercher. Généralement, les colis, quand ils viennent de loin, ils viennent jamais le jour même. Il faut aller où demain, samedi, parce que là on est vendredi 10. On est le vendredi 10 aujourd'hui. Et les colis, généralement, ils viennent quand ça arrive de loin, de l'étranger et tout, ça arrive un vendredi ou un jeudi. Ou un samedi plutôt, parce que ça... Ah, il y a une lettre. Putain, franchement, je sais même plus parler. Je sais même plus. Je sais même plus c'est que. Oh, attendez. Ouh là là, comment elle écrit. Bonjour Alim. Bah, bon, Alim, ça s'écrit pas avec le E à la fin. C'est Halim. Putain, c'est grave. Attendez, hein, je vais essayer de me rapprocher. Alors, bon, je sais pas si vous arrivez à voir mes fans de YouTube. Donc, je vais vous dire ce qu'elle m'a écrit. Je t'ai offert ce présent parce que je suis une la personne. Attends. Je t'ai offert ce présent. Je sais que la personne t'a refusé ta demande en mariage. Et je sais que tu auras personne pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin le 14 2017. Ça fait longtemps que je t'admire. Putain, comment on écrit? Je t'admire en rapport à ta première vidéo que tu as fait sur ta tortue Ninette. Toute ma famille en Allemagne sont fans de tes vidéos. Je t'ai envoyé un colis, mais surtout, n'aie pas peur. J'ai eu ton adresse par la famille qui travaille à la poste de chez toi à Marseille. Ah bon? Je savais pas parce que, par contre, eux, ils risquent de perdre leur place parce que donner des adresses comme ça à des gens, ils risquent de perdre leur place. Donc, ben écoute, Marion, c'est ça qu'elle a signé, Marion. Ouais, c'est ça, elle a signé Marion. Là, elle a signé Marion. De la part de Marion. Ben écoute, Marion, je te connais pas. Et franchement, tu as comparti à ma vidéo. Oui, c'est vrai. La personne avec qui j'étais m'a refusé ma demande en mariage. Mais bon, elle va le regretter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas forcer quelqu'un à dire épouse-moi de force. Je suis pas comme ça. Donc, si elle veut pas, ben elle veut pas, tant pis. Hein. Mais franchement, d'avoir eu mon adresse par laquelle, comme tu me dis dans ta lettre, tu as eu mon adresse parce que tu as beaucoup de familles qui travaillent à la poste de chez moi, à Marseille. Et franchement, c'est un truc qui me... Ah, je vous mens pas, regardez, il y avait ça aussi dans la lettre. Ça, c'est pour retirer le colis, ça. Voilà. Et franchement, Ah ouais, ça me... Je sais pas, je sais même plus quoi dire, ça me... À demi-mot, j'ai envie de verser des larmes. Croyez-moi, j'ai envie de... Parce que c'est la première fois qu'on me fait une intention comme ça. Donc, je sais pas, Amel, je sais pas si ça vient de toi. Envoie-moi un message si tu as gardé mon numéro. Parce que franchement, je connais personne de l'Allemagne, mais bon, elle me dit qu'elle est fan depuis des années de mes vidéos. Donc, je sais pas. Donc, je peux pas vous dire. Donc, ben demain, s'il est là, le colis, je vais aller le chercher et je referai une vidéo. Je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer ensemble ce qu'il y avait dans le colis. Voilà. Apparemment, ça vient de l'Allemagne. Donc, franchement, si c'est bien ton prénom, Marion, franchement, ben, je t'en remercie et essaie de te faire connaître.